فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل l'explication en française du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم لشيخنا عبد المحسن ابن حماد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه. Donc aujourd'hui on va commencer avec surat Al-Ahzab et le verset choisi ou les versets choisis, c'est le verset 1 à 3, donc le premier verset jusqu'au troisième verset, c'est ce qu'a choisi le shir حفظه الله. فيقول الشير قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ô prophète, ô envoyé, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles, aux mécréants et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé, émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Yaqul al-Shir, خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية ونظاهرها خطاب لأمته، وهذا هو الأصل فيما يخاطب الله به نبيه صلوات الله وسلام عليه، أنه له ولأمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه بالخطاب فيختص به الحكم. Le shir, il a commencé à nous expliquer ce verset en nous rappelant une règle qui est très importante au niveau de la compréhension des textes, et notamment, et plus précisément, du Coran, et également tout ce que va dire Allah Azzawajal et va ordonner Allah Azzawajal à son prophète. Bien sûr, le terme ici employé est khitab. Khitab, c'est un terme qui est général, qui va comprendre donc l'ordre, qui va comprendre son contraire, l'interdiction, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal donne un ordre à son prophète, qu'Allah Azzawajal donne une interdiction à son prophète, qu'Allah Azzawajal lui donne une instruction, etc. Tout cela rentre dans ce qu'on appelle khitab, al-khitab. Donc c'est un terme qui est général et qui englobe tout cela. Donc c'est pour ça que le shir il emploie ce terme, parce que c'est général. Tout ce qu'Allah Azzawajal va ordonner à son prophète, et tout ce qui va lui interdire, que ce soit des choses qui rentrent dans l'interdiction même, c'est-à-dire des choses qui sont strictement interdites de faire, ou des choses qui sont déconseillées, ou alors d'un autre côté ce qui est strictement obligatoire, ou également ce qui rentre dans ce qui est mustahab, c'est-à-dire dans ce qui est recommandé, etc. Donc tout ceci va rentrer dans ce terme khitab. Il nous dit le shir, خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ونظاهرها خطاب لأمتي. Ça c'est une règle. Il nous dit donc que le khitab qu'Allah Azzawajal fait à son prophète dans ses versets et dans les versets qui lui ressemblent ou dans les versets qui sont semblables par rapport à l'exposition, bien l'exposition du verset, il dit que ce khitab c'est également où il est également adressé à la communauté.
Donc tout ordre qu'on entend d'Allah Azzawajal lorsqu'il parle à son prophète, c'est un ordre qui nous concerne et qui nous est adressé. Également pour l'interdiction, etc. Donc on voit bien dans le verset que le Cheikh nous explique. Ya ayyuhan nabiyuttaqillah. Donc ici c'est un ordre. C'est un ordre qu'Allah Azzawajal lui donne. Ittaqillah, c'est-à-dire craint Allah Azzawajal. On va revenir sur le terme at-taqwa. Et ensuite une interdiction. Wala tuti' al-kafirin wal-munafiqin. Donc ici une obligation, un ordre et une interdiction. Tout cela rentre dans al-khitab. Inna Allah kana aliman hakima. Inna Allah kana aliman hakima. Et Allah Azzawajal est savant et il est sage, subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit le Cheikh, wa hadha wal aslu fima yukhatibu Allah bihi nabiyahu. Donc ça c'est l'origine et c'est la base dans tout ce que l'on va entendre d'Allah Azzawajal lorsqu'il s'adresse à son prophète. Lorsqu'Allah s'adresse à son prophète, alors il s'adresse également à sa communauté. Ordre ou interdiction. Illa. Et bien sûr, comme toute règle, il y a des exceptions. Illa iza dalla dalilun ala ikhtisasihi bil khitab. Sauf s'il y a une preuve qui est contenue dans la parole même, que ce soit le Coran ou que ce soit un hadith ou etc. Bien sûr, ça peut être un hadith, comme on dit, d'ordre divin, c'est-à-dire hadith ou qudsi. Tout cela, s'il se trouve à l'intérieur de cette preuve-là, ce qui nous indique que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est concerné, alors bien sûr, on sort de cette règle. C'est-à-dire, ce n'est plus un ordre ou ce n'est plus une interdiction qui est pour toute la communauté, mais ce qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Et bien sûr, par rapport à ça, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à cela. Comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était permis de se marier avec plus de 4 femmes. Ça, c'est une ikhtisas. Ça fait partie des choses qui sont exclusives au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était ordonné de prier la nuit. C'était un ordre de son Seigneur. Également, ça, c'est l'ikhtisas, mon ordre. C'est-à-dire, ça concerne uniquement le prophète, c'est exclusif pour le prophète, etc. Mais bien sûr, et lorsqu'on revient donc aux preuves, et lorsqu'on revient à ce khitab, on va trouver dans cette preuve même, ou même si c'est en dehors, ça peut être dans la preuve même, ou une preuve qui va être autre, c'est-à-dire un supplément qui vient tout simplement nous indiquer que c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est une règle qui est bien bien précise. Lorsqu'on dit que cela c'est simplement propre au prophète, c'est pas propre à la communauté, il faut apporter une preuve. Quelle est ta preuve? Pourquoi? Parce qu'on revient toujours à l'asl, c'est-à-dire qu'on revient toujours sur l'origine et sur la base. Et c'est quoi l'origine, c'est quoi la base dans ce cas-là? C'est que tout khitab qui est adressé au prophète sallam est adressé à sa communauté. Donc ça c'est une base qui est très très importante. Parce que beaucoup on voit certaines personnes qui viennent nous dire sur des points qui sont en relation le plus souvent avec la jurisprudence ou qui peuvent être d'un autre ordre et qui disent ça c'est propre au prophète mais qui n'apporte aucune preuve. Donc il dit bien ici le shir illa idha dalla dalilun, sauf si une preuve nous indique le contraire de la base qu'on vient de démettre. Donc ça c'est une base qu'on enregistre, qu'on comprend et qu'on se sert lorsqu'on parle de la religion et tout ce qui est en relation avec la législation tabarani. Ici, en plus de cela, même si on n'a pas besoin d'une preuve, il faut bien comprendre, le shir va simplement nous indiquer pour argumenter, pour appuyer ce qu'il dit. Mais on n'a pas besoin d'une preuve pour prouver que ce qui est adressé ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à également adressé à la communauté. On n'a pas besoin de preuve parce que c'est l'asl. Ça, c'est l'origine de toute chose. Mais le shir, pour bien comprendre ici ce qu'il va nous dire, c'est que tout simplement, il vient appuyer et mettre en évidence et argumenter ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire la règle qu'il a apportée. Et ce qu'il vient argumenter ou l'argument qu'il nous apporte, ça se trouve dans le verset ou celui d'après.
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Donc on voit ici que Al-Khitab, depuis le début, il s'adresse à qui? Au prophète sur Salam. Donc automatiquement, ça vient, tout ce qui vient comme verbe, etc. Ici, bien sûr, ce sont les verbes qui sont à l'impératif, ça vient au singulier. Ça vient au singulier. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal s'adresse à son prophète. Comme ittaqillah, wa la tuti', wa tabi', tout ça, bien sûr, c'est au singulier. Et on voit donc dans la suite du verset, après وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. On voit ensuite qu'Allah Azza wa Jal ici, il est passé au pluriel lorsqu'il a employé le verbe تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Il n'a pas dit إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلْ خَبِيرًا, c'est-à-dire toi le prophète, mais il a dit, il sait Allah Azza wa Jal, où Allah Azza wa Jal est connaisseur de ce que vous faites. De ce que vous faites, par rapport donc, parce que Allah Azzawajal dit bima ta'amaloun, par rapport à ce que vous faites et ce que vous faites suivant les ordres. Est-ce que vous allez suivre les ordres qui ont été donnés ou est-ce que vous allez transgresser ces ordres ou transgresser les interdictions? Donc on comprend bien ici que le verbe, lorsqu'il est au pluriel, ça nous prouve donc que ce qui était avant, c'était adressé non seulement au prophète sallam, mais adressé également à la communauté. Donc ça, c'est en fait une, on va dire, un argument qu'apporte le shir pour bel et bien mettre en valeur cette règle fondamentale qui est que chaque khitab qu'Allah Azza wa Jalla adresse à son prophète, il est pour la communauté. Donc on voit la précision ici que nous donne le shir par rapport à la compréhension des versets. Et il nous dit que cela se retrouve dans le Coran, c'est pas non seulement dans ce verset. Il va nous citer d'autres versets à titre d'exemple. Dans le verset suivant qui est Fissurat al-Rum, qui est le verset 30, Yaqul Allah Azza wa Jalla فأقم وجهك للدين حنيفا ثم قال بعد ذلك منيبين إليه واتقوه. Donc c'est le verset 30 et celui d'après le verset 31. فأقم وجهك للدين حنيفا et ensuite منيبين إليه واتقوه, dirige tout ton être vers la religion exclusive pour Allah. Et si on voit encore la règle qu'on a dit la dernière fois au niveau de la langue, ici on voit qu'Allah Azza wa Jalla dit à son prophète فَأَقِمْ وَجْهَكْ, et ils ont traduit bien sûr par son être, et on revoit donc la règle qu'on avait déjà dite et qui est utilisée au niveau de la langue وَإِطْلَقْ الْجُوزْ وَيُرَادُ بِيَ الْكُلْ, c'est-à-dire ici que c'est simplement une partie, il dit une partie. Lorsqu'on voit bien le terme wajh, on a déjà expliqué al-wajh, qu'est-ce que c'était bien sûr au niveau de langue arabe, le visage. Donc il dit Allah Azza wa Jal fa'aqim, dirige ton visage vers la religion, si on traduisait littéralement tayyib. Et bien sûr il est voulu ici tout l'être, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal utilise une partie du corps, mais il veut par là tout le corps, c'est-à-dire il sait de dire, de diriger le visage, que tu et que tu ne diriges pas le reste de ton corps vers la religion exclusivement pour Allah. Donc on comprend ici encore la règle qu'on avait déjà citée auparavant. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا. Donc on voit ici qu'il y a un khitab. Il se traduit par quoi ce khitab? Par un ordre ici, amr. Pourquoi? Parce que le verbe il est à l'impératif. Tout ce que je dis, même si c'est décortiqué, c'est important pour comprendre al-nusus, pour comprendre en fait les textes, et pour comprendre comment les savants ensuite, ils vont tirer les règles, ils vont tirer également les points qui sont en relation avec la croyance ou avec la jurisprudence, tout ce qui rentre dans la législation, la sharia de façon générale. Donc ici, fa'aqim, il dit, il parle bien sûr à son prophète. Et donc la règle c'est quoi? Que ce khitab il est non seulement à son prophète et à tout le monde, parce qu'on n'a pas, on n'a aucune preuve que ce verset là il est simplement ou uniquement pour le prophète, c'est à dire propre au prophète, et que ce hukm ou que cet ordre là ici, que cet ordre là est uniquement pour le prophète. Et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Donc le même procédé, Allah Azza wa Jalla il dit munibina ilayhi wattaquuh. On voit ensuite qu'il a employé le pluriel lorsqu'il a dit munibina ilayhi wattaqu, c'est-à-dire revenez, repentant vers lui,
craignez-le. Donc ici, le terme mouni'ibin, il est au pluriel. Sinon, ça aurait été mouni'ib. Et ensuite, le verbe wattaqou, il est également au pluriel. Sinon, on aurait dit wattaqi. Taïb. Donc, ici, c'est clair également. Et c'est ce qui vient argumenter cette règle et qui la met en évidence. Et un dernier verset qui nous le donne, le shir, pour compléter, et c'est le verset qui se trouve sur surat al-Talaq, et qui est le premier verset. Où Allah Azzawajal, donc, il adresse un khitab à son prophète. Fayaqul, Ya ayyuhan nabiyu, idha tallaqtumun nisa'a fatalliquhunna. فطلقوهن لعدتهن يا أيها النبي أو بروفيت. Donc ici on voit qu'il s'adresse à qui? Allah Azza wa Jalla, son prophète. Tayyib. إذا طلقتم النساء, quand vous répudiez les femmes. فطلقوهن لعدتهن, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Donc on voit ici que Allah Azzawajal Sidris, il s'adresse à son prophète, et ensuite il n'a pas dit idha tallaqtan nisa, mais il a dit Allah Azzawajal idha tallaqtumun nisa. Donc il a commencé à s'adresser à son prophète et ensuite il a utilisé le verbe au pluriel, c'est-à-dire, donc c'est bien, bel et bien une preuve ici de manière évidente qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'adresse à son prophète, il s'adresse à toute la communauté musulmane également. Et que, pour revenir donc à la règle du shirk et l'exception, il faut une preuve. Il faut une preuve pour dire que ça, c'est spécial au prophète. Et donc, on voit ici que Al-Khitab, c'est donc un ordre. C'est donc un ordre qui est traduit dans Fatalliquhun Tayyib. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ensuite, le terme taqwa, le terme qu'il a déjà défini, le shirk, mais il va simplement nous rappeler une phrase. Donc c'est à titre de rappel pour ce qui est de la définition de la taqwa, de ce qu'on traduit en français par la crainte, par la piété, mais qui est un terme bien plus large au niveau du sens en arabe. On a déjà vu la définition. Simplement ici, il vient nous rapporter une parole de Talq ibn Habib, et qui vient justement donner une interprétation par rapport à ce verset. Fayaqul wa naqala ibn Kathir, yaqul al-shaykh wa naqala ibn Kathir fi tafsir hadhihi al-ayati an Talq ibn Habib annahu qala at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah 'ala nurin min Allah وترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة أو مخافة عذاب الله التقوى. Donc c'est une définition qu'il nous donne ici, et il nous met en valeur que ce terme, il englobe beaucoup de choses. Dans un premier temps, il dit التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله, donc que tu accomplisses l'obéissance à Allah Azzawajal, al nourin min Allah. Donc le terme nour, qu'on traduit par lumière, mais qui est bien sûr ici, qui veut dire la science. Que tu fasses cela avec science. Bi'ilm, ala nourin, ala bayina, ala ilm. Tarjou thawab Allah. En plus de ça, tarjou thawab Allah. C'est-à-dire que tu fais cela, mais tu espères en faisant cela la récompense d'Allah. Tarjou thawab Allah. Et comme on l'avait déjà cité, ce n'est pas comme disent certains soufis qui disent que nous on accomplit l'obéissance à Allah Azzawajal, mais on ne pense pas à la récompense. C'est-à-dire on fait uniquement pour plaire à Allah Azzawajal sans regarder la récompense. Donc ça c'est complètement contraire à beaucoup de sous, à beaucoup de versets du Coran où Allah Azzawajal, bien au contraire, yuraghib, c'est-à-dire il nous fait part de ce qui nous attend si on le suit, si on suit ses ordres, si on suit les ordres de son prophète, et si on s'écarte de ce qu'ils ont interdit, Allah et son prophète. Et donc ici, il dit bien tarjou thawab Allah, donc ça revient, c'est-à-dire que tu as l'espérance dans la récompense d'Allah. Ensuite, wa anta tatruka ma'siyat Allah 'ala nurin min Allah, et que tu délaisses, donc de l'autre côté, que tu délaisses
la désobéissance à Allah Azzawajal à la nourine min Allah, c'est-à-dire avec ilm. Avec ilm que tu prends bien sûr d'Allah, qu'il t'enseigne dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Makhafatan azab Allah, c'est-à-dire en ayant peur de quoi? Du châtiment d'Allah. Ça c'est pour At-Taqwa et c'est la parole de Talq ibn Habib. Ensuite le shaykh continue l'explication du verset et il dit wa fil ayati al-ula an-nahy an ta'ati al-kuffari wal-munafiqin was-sama'i ma yaqulun. C'est-à-dire que dans le premier verset comme on l'a vu wala tuti' al-kafirin wal-munafiqin. C'est-à-dire le shaykh nous dit qu'il y a ici une interdiction d'obéir aux mécréants, aux infidèles, et d'obéir également aux hypocrites, et de les écouter, d'écouter ce qu'ils disent. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il nous rapporte un autre verset qui vient nous expliquer cela, et qui est le verset suivant, les sourates Ali Imran, et qui est le verset 149, et celui qui suit 150. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Il dit dans ce verset Allah Azza wa Jal, si non seulement on revenait à ce verset, on le comprenait et on l'appliquait, que ça fasse partie totalement de notre croyance. Oh les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdant et vous feront sortir de la religion. Allah al-Musta'an. Mais si Allah votre maître, il est meilleur, il est le meilleur des secours. Donc on voit également ici in tuti'u alladhina kafaru, si vous suivez donc ceux qui ont mécru, regardez ce que sera le résultat. Ils vous feront retourner en arrière, c'est-à-dire après avoir été musulmans, ils vous feront revenir dans le kufr, dans la mécréance, comme cela est également expliqué dans beaucoup d'autres versets. Et nous dit le shaykh wal kuffaru humul kafirun billah humul kafirun billahi zahiran wa batinan. Donc al kuffar, les infidèles, ce sont ceux qui ont mécru en Allah azza wa jalla, que ce soit de l'extérieur et de l'intérieur. Wal munafiqun هم الذين يظهرون أو يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. Par contre, les munafiqun, ce sont ceux bien sûr qui mettent en apparence la foi, qui donnent en apparence la foi, c'est-à-dire qu'ils montrent aux gens qu'ils sont croyants, alors que dans leur intérieur, et ils cachent ce qu'ils ont bien sûr dans leur intérieur, qui est bien sûr le kufr. Qui est le kufr? Et comme il dit le shirhum fi dark al asfali min al nar, comme cela est venu dans Surat An-Nisa. Donc ils sont au plus bas niveau du feu. Wallah al-Musta'an. Il nous dit le shir, c'est aussi important pour comprendre deux termes qui reviennent beaucoup au niveau de la religion, al-kufr wa shirk. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit al-kufru a'ammu min al-shirk, c'est-à-dire la mécréance, al-kufr, c'est plus général, plus global que le shirk, que l'associationnisme. Pourquoi? لأنه يشمل الشرك الذي هو دعوة غير الله معه. Le Seigneur nous dit que le kufr, il englobe l'associationnisme et qui est bien sûr d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal. ويشمل ما كان كفرا وليس بشرك. Et également, il comprend ce qui est kufr, ce qui est mécréance, mais qui ne fait pas partie du shirk. Et à titre d'exemple, ce qui nous donne le shirk, كسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. Le fait d'insulter Allah Azza wa Jal et le fait d'insulter son prophète, ça ne fait pas partie du shirk, de l'associationnisme. Mais ça fait partie du kufr. Donc ça rentre dans le kufr. Mais ça ne rentre pas dans le shirk. Donc on voit que le kufr est bien plus général, ce terme est plus général, et il comprend le shirk et ce qui est en plus du shirk. Lakin, et ici il va nous donner une autre précision, le shirk. وقد يأتي الشرك شاملا ما هو كفر كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Bien sûr, ce verset qui est un verset qui est une règle en lui-même, qui est un verset fondamental du Coran et qui fait surat al-Nisa,
et que le verset 48, bien sûr. Et le cheikh, il nous dit, en nous expliquant ce verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc on voit ici que le terme employé, c'est shirk. Donc ils l'ont traduit par qu'on lui donne quelques associés. On aurait pu dire, certes, Allah ne pardonne pas l'associationnisme. La yurfiru an yushraka bih. An yushraka bih. Donc bien sûr, ils reprennent exactement le terme, parce que bien sûr, c'est ici. Ce qui est employé, ce n'est pas al-masdar, mais ce qui est employé, c'est le verbe, al-fi'al. An yushraka bihi. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc dans ce verset qui est une base, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Il dit que ce terme ici, shirk, donc qui est employé et qui revient dans le verbe an yushraka, il englobe également ici le kufr. Donc il se peut que le shirk, au niveau de son utilisation, c'est-à-dire l'utilisation du terme shirk, il englobe également le kufr. Pourquoi? Parce qu'il nous dit فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَا كَانَ كُفْرًا كَسَبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَبِّ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَجَحْدَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ الْإِسْلَامِ بِالضَّرُورَةِ كالصلاة والزكاة والصيام والحج. انظر فتح الباري. طيب. Donc le cheikh à la fin dit simplement de revenir sur ce, par rapport à ce sujet plus en détail sur le livre de Ibn Hajar al-Asqalani, qui est l'explication de Sahih al-Bukhari Fath al-Bari. Taïb, tout simplement, il nous dit dans ce verset, est-ce que c'est uniquement le shirk comme on l'a défini auparavant et qui rentre dans le kufr, ou est-ce que ici c'est également, ça comprend également le kufr? Le shirk va répondre, et c'est évident que ça comprend également le kufr ici, c'est-à-dire le terme ici qui est employé à travers le verbe an yushraka, qui vient bien sûr du terme shirk, ça comprend également le kufr. Pourquoi cela? Parce que est-ce qu'on comprend d'après ce verset que ce qui ne serait pas du shirk, donc avec la définition qu'on a donnée exacte, Allah Azzawajal le pardonnerait, c'est-à-dire ce qui serait en dehors du shirk comme on l'a donné comme définition, Allah Azzawajal le pardonnerait? Et à titre d'exemple, il revient à l'exemple qu'il a donné, qu'as-sabillah wa sabir rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'Allah Azzawajal pardonne qu'on insulte, et est-ce qu'Allah Azzawajal pardonne qu'on insulte son prophète? Non, ça ne rentre pas dans le verset. C'est-à-dire, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc ça rentre dans le terme an yushrakabi. An yushrakabi. Et c'est ici du kufr, c'est pas du shirk. Donc ici également, une précision qui est importante à comprendre, pour comprendre également ce verset, et qui est, comme on l'a dit, une base essentielle. Il a donné donc l'exemple de l'insulte, insulter Allah et insulter son prophète, salawatullah wa salam alayh, et également le fait de réfuter ce qui est connu en islam, ce que tout le monde connaît en islam, comme la prière, comme la zakat, comme le siyam al-hajj. Tout le monde sait en islam, même le kafir, même le mécréant, il sait qu'en islam, la prière, elle est obligatoire. La zakat, elle est obligatoire. Que le jeûne, il est obligatoire. Que le hajj, le pèlerinage, il est obligatoire. Donc la personne qui refute cela, ou yajhad, il y a un terme qui sera encore plus précis pour traduire yajhad, ala kulli hal. Donc une personne qui dit que la prière, elle n'est pas obligatoire, automatiquement, ça c'est du kufr qui le fait sortir de l'islam. Parce que tout le monde sait que la prière, elle est obligatoire. Personne n'est ignorant de cela. Personne. Aucune. Pas de over, c'est-à-dire pas d'excuse ici pour la personne qui dirait que la prière, elle n'est pas obligatoire et qui croirait, et qui chercherait excuse par el-jahl, c'est-à-dire par l'ignorance. Là. Tout le monde sait cela. C'est ce qu'on appelle donc ma'loumun min ad-din ou min din al-islam bid-darura. Donc la personne qui refute cela, yajhad, ça c'est du kufr, mais ce n'est pas du shirk, c'est pas rentré ici dans le shirk, et pourtant ça concerne le verset, c'est-à-dire la deuxième partie du verset,
C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas cela, et que ça rentre donc dans le terme an yushraka bih. Ensuite, au fil ayati thaniya al-amru bittiba' al-wahy, c'est-à-dire également dans le deuxième verset, ici c'est un ordre, on est toujours donc dans le khitab qui se traduit ici par l'ordre wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Donc suis ce qu'Allah Azza wa Jalla te révèle, ou ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Donc il nous dit le shir, wa huwa ma jaa fil kitab wa sunna, yani ittiba' al wahy. Et bien sûr, on sait que al wahy, la révélation, elle se traduit par le livre et par la sunna. C'est-à-dire le livre et la sunna, ce sont les révélations, les deux sources de révélation. Et un autre verset qui nous donne le shir et qui également où Allah Azza wa Jalla ordonne donc non seulement son prophète, donc on revient sur la règle, et également toute la communauté. Il vient donc appuyer cela en nous citant le verset où le verbe ittabi' se trouve au pluriel, et qui est le verset suivant, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Donc ça c'est sourate Al-Araf, et c'est le verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc on voit ici ittabi'u, alors que dans le verset c'était un ordre au prophète, donc ça vient encore appuyer la règle citée par le shir. Et ensuite et dernièrement dans l'explication de ce verset ou de ces versets, wa fil ayati thalitha, c'est-à-dire dans le troisième verset, al-amru bit-tawakkul 'ala Allah wa wal-i'timad 'alayh, c'est-à-dire at-tawakkul, et comme nous le dit le shir, ce qui fait partie de l'adoration. At-tawakkul, ça fait partie de l'adoration, mais c'est une adoration qui est bien sûr une adoration qui est cachée. Pourquoi? Parce que ça fait partie des actes du cœur. Min a'mal al-qulub. At-tawakkul min a'mal al-qulub. Donc at-tawakkul, ça fait partie des actes du cœur. Donc c'est ce qui est caché. La personne qui est mutawakkil, mutawakkil ala Allah, ça se passe dans le cœur. Wa li'timad alayh, c'est-à-dire s'en remettre à lui, se remettre à Allah azza wa jal. Wa li'timad alayh. Et s'appuyer sur Allah azza wa jal uniquement. Car Allah azza wa jal, comme il le dit le shir, fa innahu subhanahu wa ta'ala hasbu wa kafi. C'est-à-dire c'est celui qui te suffit, Allah azza wa jal, c'est celui qui te suffit. Et comme donc il nous rappelle le shir, wa tawakkul min anwa' al-ibada. Fala yutawakkal illa alayhi subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc c'est à Allah azza wa jal que vous devez remettre votre pleine confiance si vous êtes réellement des croyants. In kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants, des réels croyants. Et bien sûr ici c'est un ordre. On n'a pas le droit de faire un tawakkul à un autre qu'Allah azza wa jal. Voilà pour cette sourate et pour ces versets. Et ensuite le shir il passe à sourate Saba et il va prendre le verset 3 inshallah. Yaqulu shir wa qawluhu ta'ala wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Donc c'est le verset 3. Il nous dit le shir en expliquant ce verset. الساعة تطلق على موت على موت من كان حيا في آخر الدنيا عند النفخة الأولى وتطلق على البحث عند النفخة الثانية وإنكار الكفار للبحث والمراد بقولي عنهم لا تأتين الساعة. Le shir nous dit, on a un terme ici qui est employé, c'est as-sa'a, et qui est donc l'heure. Et ça on l'a déjà expliqué et revu dans les cours de croyance qu'on en a donné. As-sa'a, qu'est-ce que as-sa'a? L'heure. Il nous dit que le terme as-sa'a,
on peut vouloir dire deux choses, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal veut dire deux choses par le terme As-Sa'a lorsqu'on revient bien sûr Finnusus, lorsqu'on revient au texte. Il nous dit dans un premier temps, on veut dire par As-Sa'a, ou on peut vouloir dire par As-Sa'a, la mort de celui qui était vivant à la fin de cette vie d'ici-bas, lorsque la vie d'ici-bas prend fin. عند النفخة الأولى, lorsque bien sûr il se passe le soufflement dans le corps, dans la trompe, le premier soufflement. Et c'est à ce moment-là bien sûr que tous les gens qui seront encore vivants sur la terre vont mourir. Donc ça, on veut par ce terme As-Sa'a, on peut vouloir dire cela. Et aussi on peut vouloir dire, il nous dit le shir, al-bahfi عند النفخة الثانية, c'est-à-dire on peut vouloir dire aussi par le terme As-Sa'a la résurrection. Al-Bahf, qu'on traduit par bien sûr la résurrection, c'est-à-dire au moment où il y a le deuxième souffle ou le deuxième soufflement dans le corps ou dans la trompe. Il nous dit ici que l'inkar, c'est-à-dire le reniement des mécréants de cette résurrection, elle se trouve dans lorsqu'Allah Jalla dit la ta'tina sa'a. La ta'tina sa'a. Donc bien sûr, pour ce qui est de la traduction du sens, ceux qui ne croient pas disent l'heure de nous viendra pas. L'heure ne nous viendra pas. Dit par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fut-il du point d'un atome dans les cieux comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Donc ça c'est pour le verset. ومن أدلة إطلاق قيام الساعة على البحر قول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. Ça c'est في سورة البردونير غافر. C'est le verset 46, un verset qu'on a vu plusieurs fois bien sûr, et qui concerne Izbet Azab al-Qabr, qui concerne bien sûr l'attestation de la présence du châtiment dans la tombe. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadd al-'adhab. Donc le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit entre parenthèses, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur de châtiment. Donc on a vu que les gens de Pharaon, c'est Pharaon et tous ceux qui ont suivi Pharaon, qui ont cru en lui comme étant le Seigneur, et qui l'ont suivi. Donc tout cela rentre dans le terme à la Pharaon. Il nous dit ici le shir qu'on comprend As-Sa'a, parce que le terme employé c'est As-Sa'a. Wa yawma taqoum As-Sa'a, on comprend ce terme comme étant Al-Bahf. Al-Bahf, c'est-à-dire donc la résurrection. La résurrection, c'est-à-dire la résurrection, le jour où les gens sortiront de leur tombe. Donc c'est ce qui se passe au moment où l'on soufflera dans la trompe et qui sera le deuxième soufflement. Donc on comprend bien ici que le verset wa yawma taqumu as-sa'a, c'est donc la résurrection. Et comme on l'a expliqué et détaillé, c'est une des preuves fondamentales sur l'attestation de Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe. Ensuite, il va nous rapporter une parole de Ibn Kathir, le Shir, et il nous dit qu'il y a trois versets où Allah Azzawajal qu'il dit à son prophète de jurer. Naam, qu'il dit à son prophète de jurer. C'est pour ça qu'il dit mimma amara Allah wa rasuluhu sasama yuqsim bi rabbil azim ala wuqu' al mi'ad lima ankarahu man ankarahu min ahli al kufr wal inad. Donc c'est un des trois versets où il y a exactement trois versets où Allah Azzawajal dit à son prophète dans le Coran de jurer par Allah Azzawajal. Et bien sûr l'homme, la créature,
n'a le droit de jurer que par Allah. Et s'il jure par un autre qu'Allah, et bien sûr, il est tombé dans un acte d'associationnisme. Il va nous citer les versets du shirk. Le verset Surat Yunus, et qui est le verset 53. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Ça c'est le premier. Et il s'informe auprès de toi. Est-ce vrai? Dis oui par mon Seigneur. Oui par mon Seigneur. ورربي. Oui par mon Seigneur. C'est bien vrai. Et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Le deuxième verset, c'est donc le verset qu'on a cité. Et c'est le verset qui se trouve donc dans Sourate Saba. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ وَالثَّالِثَ فِي التَّغَابُنِ. Donc la troisième se trouve dans Sourate Al-Taghabun, et qui est le verset 7. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont cru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, dit mais si par mon Seigneur. Donc on voit encore ici qu'Allah Azzawajal dit de dire à son prophète Qul bala wa rabbi la tuba'afun. Mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Donc on voit ici qu'il y a trois versets dans le Coran. Où Allah Azzawajal, pour ce qui concerne Al-Bahf, c'est-à-dire la résurrection, il demande à son prophète de jurer pour cela. Trois versets du Coran qui nous sont cités par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Ensuite, le terme, il va nous donner encore une autre explication, le shir, pour la suite du verset, la ya'zubu anhu, c'est-à-dire la ya'ribu anhu. La ya'zubu anhu, la ya'ribu anhu. Et donc ils l'ont traduit au niveau de, il avait traduit au niveau de la traduction, il n'y a rien n'échappe à ton Seigneur, il n'y a rien n'est absent par rapport à ton Seigneur. La yaribu anhu, c'est ma'na la ya'zubu anhu. Donc on va s'arrêter ici inshallah ta'ala, simplement donner une dernière précision que le shir nous donne par rapport au verset. Il nous donne une dernière précision par rapport au verset. On voit que à la fin du verset, il y a pour Allah Azzawajal, لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Donc ici il dit Allah Azzawajal, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Il nous dit le shir ici que dans le Coran, c'est une règle. C'est-à-dire dans le Coran, il nous dit le shir dans le Coran que à chaque fois qu'il est cité le terme Al-Asrar et le terme Al-Akbar, ou le terme As-Sarir et le terme Al-Kabir, donc qui veut dire le plus petit ou le plus grand, ou qui veut dire le petit et le grand, à chaque fois Taqdim As-Sarir ou Al-Asrar Kama fi hatayn al-ayatayn. Donc il nous a cité, il va nous citer aussi un autre verset, le shir, et il nous dit qu'on met toujours, Allah Azza wa Jalla met toujours en avance le plus petit, Taqdim As-Sarir wal asrar. Et parmi les versets qui nous citent le shir, wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Donc on voit ici que le premier terme cité saghira, et le deuxième terme cité c'est kabira. Et comme on a vu auparavant également dans le verset. Donc toujours Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il cite As-Sarir ou Al-Kabir ou Al-Asrar ou Al-Akbar, il cite tout le temps en premier ce qui est le plus petit, As-Sarir ou Al-Asrar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
استغفرك واتوب اليك.